Tu vas pas me la refaire à chaque fois, hein. Je l'ai compris, la même limonade. Ça suffit maintenant, mon petit asticot, c'est non. J'étais à ça de trouver Boris. Je mets mon pot-au-feu qu'il était là. Ça compte comme des lunettes, ça, ou pas? Tu penses? Oui. Imagine comment il doit être beau gosse en dessous. Moi, je le trouve déjà beau gosse comme ça, hein. Il doit pas être si beau gosse que ça en dessous. Peut-être que c'est l'inverse cette fois, peut-être qu'il est moche. Oui, mais imagine, c'est pas ses vraies moustaches. Alors là, c'est vraiment comme les lunettes parce qu'il peut les enlever. Ah, ces moustaches, moi je les aime bien, il a qu'à les garder comme ça. Bon, vous pouvez arrêter s'il vous plaît? Ça devient gênant en fait. J'entends tout ce que vous dites et je suis pas enchanté quoi. Bah non, t'es Zorro. Hein, tu parles pas espagnol? Ah si si, du côté de ma mère, mais j'ai un peu oublié. Et non plus. Mais il est où, Tornado? Ah, Tornado. Il est pas très loin, là-bas. Tornado, c'est les aspirateurs, ça, non? En garde, Bondi, c'est là! En garde! Affronte un quelqu'un à ta taille! Ah, non, je ne me bats pas contre les señoritas. J'ai des secours. Déjà, je suis pas une señorita, hein. Et en plus, j'ai fait de l'escrime à l'école, je te ferais dire. À mon avis, ton ado, il voudrait mieux être un aspirateur que ton fidèle destrier. Réservez 3 chambres. Vous restez dormir. T'es une fille! Mais non, pas du tout. Mais si, t'es une fille! Mais où t'as appris ça, toi, d'abord? Secret défense!
Bonne nuit, renard rusé qui fait ce loi. Au fait, pourquoi t'étais ici? Parce que j'arrivais pas à enlever ma moustache. Elle a décollé, donc. Et comme t'as réussi. Tu veux la reprendre? Oh non, c'est bon, je te la laisse, c'est pour toi. Peut-être qu'elle te servira plus qu'à moi. Bon. Buenas noches, señorita, et encore bravo, t'es une vraie justicière. Tornado, ton cavalier est parti par là. Ah, d'accord, oui, bon. Et tu connaîtrais pas un Boris par hasard? Si? Montre-moi le chemin. C'est un beau fifi, ça.